Nous arrivons à la deuxième partie de notre leçon, c'est le fonctionnement de la thyroïde. Cette partie est à très bien retenir. Donc, je commence par la position d'abord de la thyroïde. Chez l'homme, la thyroïde est située à la base du cou, sous le larynx et en avant de la trachée artère. Elle est formée de deux lobes, en fait, le lobe A et le lobe B, comme le montre la figure, qui sont reliés par un amas cellulaire, un amas de cellules, qui est nommé isthme. Alors si je fais un agrandissement de ces lobes, je vais voir que cette thyroïde, elle est formée d'un ensemble de cellules folliculaires, de, de plusieurs follicules. Et au milieu, vous avez une cavité folliculaire qui est remplie d'une substance gélatineuse nommée colloïde. Comme vous voyez, le terme est là. Et bien sûr, à retenir l'orthographe des termes scientifiques. Alors, qu'est-ce qui se passe Les cellules folliculaires vont absorber du sang, vont puiser dans le sang les acides aminés et l'iode. Pourquoi faire Vous savez bien que ces deux substances vont servir à la fabrication, à la synthèse des hormones thyroïdiennes. Alors, une fois qu'elles vont absorber ces deux substances, elles vont les stocker. Sous forme ou bien avec la colloïde qui est présente. Donc, cette colloïde, c'est une substance gélatineuse qui est riche en protéines iodées. Ils vont la garder en stock. Une fois que ces cellules vont recevoir la TSH, qui est l'hormone tirée aux stimulines par l'hypophyse, qu'est-ce qu'elles vont faire Les cellules folliculaires vont réabsorber la colloïde et la transformer, la diviser, la scinder en deux hormones qui sont T3 et T4. À savoir que la grande majorité de la fabrication hormonale de la thyroïde, c'est de la T4, de la thyroxine. Le reste de la fabrication, c'est presque 20% de la fabrication, est consacrée à la T3. En fait, la T4, lorsqu'elle se fixe sur les organes cibles, elle pourra être transformée au niveau de ses organes en T3 qui est plus active. Ceci est dit à titre de culture, mais ce n'est pas à retenir. Et voilà les étapes du fonctionnement, du fonctionnement thyroïdien que je viens de citer, je les répète maintenant. Et c'est à retenir, à très bien retenir, ce sont des questions de cours qui se posent au test. Donc, 1. Les cellules folliculaires ou bien épithéliales absorbent l'iode et les acides aminés et les transforment en colloïdes. Vous pouvez ajouter qu'elles épuisent dans le sang. 2. L'hypophyse libère la TSH pour stimuler les follicules. 3. Les cellules épithéliales ou, ou bien folliculaires, c'est la même chose, réabsorbent la colloïde stockée. 4. La colloïde est transformée en T3 et T4 qui sont libérés bien sûr dans le sang. Donc en fait, elle va les libérer dans, dans le milieu extracellulaire à l'extérieur de ces follicules et ce milieu est en contact direct avec le sang, donc ces hormones vont directement passer dans le sang. 5. T3 et T4 sont transportés par le sang vers les différentes cellules cibles. Et si c'est la fin, donc les cellules cibles réalisent une oxydation et produisent de l'énergie et de la chaleur. C'est en fait la réponse. Vous pouvez dire que suite à cette fixation, l'organe ou bien la cellule cible vont euh, répondre. Et cette réponse, on vous dit qu'elle se réalise, elle se manifeste par euh, l'oxydation cellulaire. C'est la réponse suite à la fixation hormonale. C'est tout pour cette partie hormonale. J'espère que vous avez bien aimé les vidéos, vous avez tout compris. Je suis prête et disponible à répondre à toutes vos questions pour toute clarification éventuelle.